Voici une petite fille de 3 ans qui s'appelle Tinia et qui va apprendre quelque chose qui peut sembler pour un adulte assez élémentaire, mais finalement pour les enfants c'est pas si évident. Et pour chaque personne qui a pu l'observer, les enfants peuvent connaître, lire les nombres, par exemple de 1 jusqu'à 10. Mais quant à savoir associer un nombre à un nombre d'objets, une quantité d'objets, ça, c'est pas évident pour l'enfant jusqu'à un certain âge. Alors, avec l'aide du Wasso, Tinia va montrer qu'elle connaît faire cela déjà à l'âge de 3 ans. Alors, Tinia, tu vas nous compter, tu vas compter une boule et tu vas mettre dans dans le premier trou activé du Wasso. Vas-y, compte une boule et tu mets là-bas. Voilà. Deuxième trou, tu comptes deux boules et tu mets là-bas. Compte deux boules et tu mets dans le deuxième trou. Oui. Très bien. Alors, c'est important de féliciter chaque fois l'enfant. Cela l'encourage. Alors, on continue le dénombrement. Tu vas compter trois boules et tu vas mettre dans le troisième trou. Vas-y. Ça, c'est 3. Et elle a fini avec la ligne activée supérieure. Tinia va passer à la ligne activée inférieure. En passant à la ligne activée inférieure, il est important de faire continuer l'enfant par le bout ici en tournant. Et non de lui faire recommencer ici de gauche à droite comme dans le sens de l'écriture. Parce qu'il aura tendance en comptant une première boule pour le nombre 7 à confondre cette case avec cette case. Donc on va dire à Tinia de compter ici les 7 boules, 7 boules, et mettre ici. Et Tinia va parler fort pour que tout le monde entende. Il faut compter maintenant. 7 boules que tu dois mettre ici. Parler fort. Oui. 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 Voilà, ça fait 7 boules. Maintenant, Tinia va continuer son dénombrement avec le chiffre 8. Tu vas compter 8 boules et tu vas mettre dans ce trou. Vas-y. 8 boules que tu mets dans ce trou. 8 boules que tu prends dans les trous noirs et tu mets dans ce trou rouge. 8 boules, vas-y. Oui, on ne t'entend pas. Oui. Oui. Très bien. Ça fait 8. Donc tu vas continuer avec 9. Tu vas compter 9 boules que tu vas mettre ici. 9 boules. Bon, continue. Oui. Oui. Très bien, ça fait 9. Ok. Continuer maintenant. Tu peux continuer à présent en comptant 10, comme sur ton tableau. Tu vois 10 ici. Tu vois 10. Donc, tu dois compter 10 boules et mettre dans ce trou. 10 boules. Vas-y. Pour compter 10 boules et mettre dans ce trou-là. Oui, parle fort pour que tout le monde entende. Oui. 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 Très bien. Très, très bien. Voilà, donc c'est facile, Tinia.
c'est associer les objets que sont les boules aux chiffres qui sont des objets abstraits qui sont marqués sur son tableau. On aurait pu continuer sur le boisseau, jusqu'à 12, hein, la position 12, mais le principe est clair, c'est de cette façon que l'enfant peut facilement, avec le boisseau, apprendre à associer les nombres aux objets qu'il compte. Sur ce clip, nous allons montrer comment un petit enfant de 3 ans seulement, qui ne sait même pas bien écrire, hein, peut apprendre les opérations arithmétiques de base très facilement avec le boisseau. Nous avons ici Tinia qui va nous faire ces opérations qui sont très simples. On va lui demander de compter et de mettre d'abord pour l'opération 4 plus 2. Tu vas compter et tu mets 4 boules ici. 4 boules pour compter. 1, 2, jusqu'à 4. Non, faut compter et mettre. Quatre. Très bien. Alors, 4. Maintenant, on te dit de compter et de mettre 2 ici. De compter 1, 2 là-bas. Très bien. Maintenant, on te demande de compter tout ce qui est dans le rouge ensemble. Tu peux compter ça? Non, de compter tout ensemble. 6. Très bien. Donc, ça veut dire que la réponse ici, c'est 6. Tu peux écrire 6? Voilà, il faut écrire 6. On va voir. En fait, il y a seulement 3 ans. Et bon, l'écriture de base n'est pas connue, mais les notions d'arithmétique sont déjà là. Ne serait-ce que déjà le fait d'être capable de faire le dénombrement. J'ai monté le trait en haut. Voilà, ça c'est 6. Très bien. On va demander à Tinia de nous faire la deuxième opération. Alors, bien entendu, pour les tout petits enfants comme Tinia, il ne sert pas à grand-chose de remplir tous les trous du boisseau de boules, hein. On met juste ce dont l'enfant a besoin. Maintenant, Tinia, tu vas compter 3 boules et tu vas mettre ça ici. 3 boules. Pas ici, mais ici. 1, 2, 3. Très bien. Ensuite, tu vas compter 5 boules et tu mets 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y. Très bien. 5 boules, c'est bon comme ça. Alors maintenant, on te demande de compter tout ça ensemble. Ce qui est dans le rouge là seulement. Il ne faut pas compter ce qui est dans le noir, ce qui est dans le rouge. Tu peux compter, ça fait combien en tout? 8. Très bien. Et la réponse est 8. Donc, tu vas marquer ici 8. 8. Non, 8, le deuxième rang se met en bas. Deuxième rang se met en bas. Donc, on voit bien. Bien que n'étant pas capable d'écrire, en fait, l'enfant assimile déjà la notion de mathématiques, d'arithmétique, d'addition. On pourrait faire la même chose pour la soustraction. Deux ronds. Il faut faire un premier rond. Voilà. Et tu fais un deuxième rond en bas de ça. Et ça fait 8. Très bien. Voilà, c'est parfait.